Donc, ça, on est à 1-0. C'est loin d'être dramatique. Exact. Tu vas mentionner les Éperviers qui allaient sortir avec le feu derrière. Ça a été le cas. Et les Royals sont en mesure, justement, de minimiser les dégâts. Le jeu qui a repris, donc, début de la deuxième période. C'est Swan qui récupère. Qui va réussir une passe vers Charpentier et une sortie de zone. Rose qui est là derrière le but de Dessel. Dessel remet Damo qui tente en sortie de zone, c'est raté. Rose récupère dans la cave à Charpentier. Il est passé dans le vide, il était seul, Kevin. Oui, et un début de période sur les chapeaux de roue. Les Trois ont eu plusieurs bonnes chances de marquer. Les Éperviers qui ont également répliqué. Chance en or, oui, de la part de Marc-Olivier Lamour qui a été raté. Swan qui avait réussi à soutirer la rondelle au gardien derrière le filet de Sorel. Et c'est Pépin qui est frappé dans sa zone. Meilleur derrière son but. Meilleur passe vers Massé. Massé en sortie de zone. Réussit, même s'il est ennuyé, à sortir le disque qui revient tout de suite dans le territoire des 3L. Encore une fois, c'est Massé. Là. Il est ennuyé par un gaz sur la patinoire et un bâton. Bataille à 4 dans le coin, passe à la pointe. Joli lance derrière le filet. Ça touche le fameux gant qui est sur la glace. Là, ça bourdonne dans le territoire des 3L. Roy laisse passer pour Rodin. Vient frapper Pépin. Ça revient. Randazzo passe du revers, mais ça va geler la pointe. Tire. L'arrêt du gardien de Selle fait des nids dans le coin. Chabot qui a la rondelle d'emprisonner. Sur lui, finalement, on entend le sifflet de l'arbitre. Oui, un bon début de période pour les Éperviers qui ont été en mesure de s'installer dans le territoire des Royals, de bourdonner, de prendre également quelques lancers en direction de Guillaume Dessel. Et là, l'entraîneur qui va apporter des changements parce que les cinq joueurs qui étaient sur la patinoire étaient exténués justement devant ces attaques répétées des Éperviers. Pour ceux qui se posaient des questions, Deschâtelet qui est sur la patinoire de retour en deuxième période. Oui. D'ailleurs, elle avait fait une présence également en toute fin de première période. Donc, c'est vrai, elle avait pris la dernière mise au jeu. Plus peur que mal dans son cas. C'est une bonne nouvelle, bien sûr, parce que c'est vraiment le leader incontesté des 3L. Mise au jeu à la gauche de Dessel dans le territoire des 3L, bien sûr. 1-0 sur elle-même avec 18-21 à faire. On est en deuxième période. Ward, derrière son but, prend bien son temps. Ward examine la situation. Passe à Randazzo. En zone centrale, Deschâtelet s'amène pendant le contre. C'est l'arrêt du gardien dans le plastron. Il n'y a pas de retour. Oui, Louis, tu l'as peut-être remarqué, mais depuis le début du match, plusieurs lancers des 3L proviennent justement de cet endroit, c'est-à-dire en l'air dans le cercle des mises en jeu, mais à chaque fois, la rondelle qui atterrit dans le logo des Éperviers, ce chandail de Dugas. Donc, on lui facilite grandement la tâche avec des lancers qui, même si on est dans des endroits stratégiques, ne sont pas nécessairement menaçants. Mise au jeu dans le territoire des Éperviers. Mise au jeu gagné par Deschâtelet. Et l'Archambault qui exerçait de la pression sur Dumas. Ça a presque fonctionné là, pour donner une chance de marquer, mais ça rate finalement. La rondelle qui est dans le territoire des 3L maintenant. Villemar en sortie de zone. Deschâtelet vient de l'aider, il accélère. Zone centrale. Deschâtelet est arrêté par Carrier. Ça fait un beau jeu, c'était plutôt Robichaud le 17. Ward dans sa zone. Prend son temps. Ward passe à Randazzo. Randazzo recule, revient derrière son but. Il n'a pas d'option, donc les joueurs là, qui vont bouger. C'est Deschâtelet qui vient chercher la rondelle derrière le filet. Remet Randazzo maintenant. Et c'est Swan. Et là, c'était limite. Deschâtelet dans l'enclave vers Swan, mais il n'avait pas prévu la manœuvre. Damo s'amène comme un train rentre le disque. Ça permet 3 contre 2 de Sorel. L'éveillé, territoire des 3L, tire, rate la cible tournée de la mitaine. Et l'éveillé qui a eu toute une chance de marquer s'est présenté pratiquement seul devant Dessel, mais rate la cible. De la façon que le jeu se dessinait, Dessel qui était caché par un défenseur et un joueur. On est dans le territoire de Sorel, Meilleur qui conserve, passe derrière. Dans le coin, plutôt, ça va à Tourigny. Tourigny à Meilleur, tire à l'arrêt du gardien. Je pense qu'il a fait des liens avec le bout de sa jambière. Et là, il y aura pénalité. Je pense que c'est à Charpentier. Pour coup de bâton, Marco Charpentier qui sera chassé 2 minutes. Mauvaise pénalité de Charpentier parce qu'il y avait une occasion de se présenter en contre-attaque. Et l'officiel qui a tout vu, Charpentier qui sera chassé pour les 2 prochaines minutes. Évidemment, n'est pas d'accord avec la décision de l'officiel. Mais ça ne change en rien, hein. Il y aura avantage numérique.
pour les Trois-Belles. Et lui, on confirme que le gardien de but du gars a bel et bien touché la rondelle sur le lancer de Meilleur. Un bon lancer de Francis Meilleur, mais reste de très peu. Deschâtelet, Villemaire, Archambault, Trudel, Randazzo en avantage numérique. Le quintet là, qui voit Roy effectuer un dégagement dès la mise au jeu. Trudel est dans sa zone. Trudel en sortie de zone maintenant. Il accélère. Passe à Deschâtelet. Deschâtelet remet dans le territoire de Sorel. Mais là, on entend un sifflet. Je pense que... On a le droit de filet protecteur. Exact. On a du mal, Louis, à s'installer dans le territoire des éperviens d'avantage numérique. On n'est pas en mesure de générer de l'attaque pour l'instant avec l'avantage d'un homme. Ça a été le cas en première période. C'est maintenant le cas lors de ce deuxième avantage numérique. Heureusement, il reste encore beaucoup de temps. Ouais, 1,43 à la pénalité de Charpentier. Ils ont joué zone centrale. On va aller à Randazzo. Randazzo vers Villemaire. Villemaire, en zone adverse, il a été frappé par Joly. Joly, on le sait, qui est encore pesant. Il vient de donner un bon coup de bâton à Villemaire. Il n'y a pas de pénalité. Là, c'est Deschâtelet. Patine jusqu'en zone centrale. Deschâtelet vers Archambault. Archambault, zone adverse. Contourne Joly. Derrière le but, Archambault. On va tenter d'installer l'attaque à 5. Voilà, c'est fait. Deschâtelet à la pointe. Trudel tire, c'est dévié par Villemaire. L'arrêt du gardien avec la jambière. Villemaire derrière le but. Laisse à Archambault à la pointe. On est dans le territoire de Sorel. Vers Deschâtelet. S'approche du but. Deschâtelet vers Villemaire. Vers Archambault. À la pointe vers Trudel. Je pense qu'il manquait de précision. Deschâtelet maintenant. À Trudel à la pointe. Deschâtelet encore sur des mises au jeu. Vers Villemaire. Tire, s'arrête la cible. Et ça, là, c'était un jeu presque parfait. Il a juste raté la cible. Il a raté son lancer également pour lancer franc en direction. Et ça a permis justement au gardien de but du gars de réaliser l'arrêt. Une contre-attaque de Bourg qui a raté. Là, ça permet à Villemaire de s'amener. Là, ça Deschâtelet. Meilleur s'amène. Villemaire tire l'arrêt du gardien. C'est un tir du revers. Bel arrêt du gardien du gars qui l'a suivi. Ouais, et tout un jeu signé Deschâtelet, Archambault et Villemaire qui... C'est présenté seul devant le gardien de but. Du gars a tenté justement de le déjouer du revers, mais le gardien des éperviers qui réussit l'arrêt. 20 secondes à l'avantage numérique. D'amour qui tente de récupérer, va s'arrêter. Et là, ça va permettre un dégagement jusqu'à l'autre bout. Dégagement de Gagné. Trudel maintenant. Il a été frappé par Deschênes. Je pense pas remarqué, mais Christian Deschênes également qui a donné un coup de bâton directement la blessure de Francis Trudel. Il voit ça de façon sournoise. Exact. C'est Pépin, là, dans sa zone. On joue à 5 contre 5, 14-34 à faire. En deuxième période, 1-0 de marque. Sorel qui mène toujours. Un but qui est inscrit en première période. Rondelle qui va glisser jusque dans le territoire de Sorel-Tracy. Il n'y a pas de dégagement là-dessus. Et on n'a pas de changement chez les 3L. Cette fois-ci, toutefois, c'est une passe. Oh! Rondelle qui est revenue vers Dessel. Tire de Charpentier, l'arrêt de Dessel. C'est un jeu qui s'est drôlement dessiné, là. Tire l'arrêt de Dessel, c'est lorsqu'elle était déviée, il conserve. La rondelle qui bondit vraiment à l'ombre du gardien de but Dessel. Déviation, mauvais bond. Et ça permet aux éperviers de menacer le filet de Guillaume Dessel qui encore une fois est très solide, réussit à immobiliser et à mettre fin à cette attaque des éperviers. Voilà, à la base, là, dans le fond, c'était un dégagement qui aurait dû être refusé aux éperviers. Sauf que finalement le joueur a avancé. Oui. Et c'est là où tout est vu un peu pêle-mêle chez les défenseurs. Oui, c'est Couture qui est en mesure justement de commencer le premier défenseur des Trois-Belles, empêcher le dégagement refusé et de faire en sorte que les éperviers ont bourdonné par la suite. Et souvent, c'est ça, dans ce temps-là, les joueurs qui arrêtent peut-être de jouer un peu. Oh, dès la reprise, Roy qui tire, s'arrête la cible. Massé maintenant qui s'amène. Massé, remet pour lui-même dans le coin. La rondelle va aller jusque derrière le filet. Mais c'est Carrier là en appui. Vient récupérer le disque. Chope à ta pointe, l'arrêt de retour. À Ward qui appuyait l'attaque. Mais il a raté le disque. Roy maintenant s'amène. Passe à Brodeur dans le territoire de 3L. Un tir bloqué par la flamme en offensive. Il y aura pénalité au 3L. Voilà, c'est confirmé quand Randazzo touche à cette rondelle. Je pense qu'on pointe Michael Ward. Bâton élevé. Ouais, Michael Ward qui sera chassé 2 minutes pour bâton élevé. Donc on ouvre la porte aux éperviers. Et lui, qui a
été nommé hier la première étoile du match. Samuel Lévesque. Est-ce que tu as prononcé jusqu'à maintenant le nom de Samuel Lévesque? Écoute, une ou deux représentations présentes jusqu'à maintenant et une présence très très courte. On ne prend pas la stratégie d'Alain Gunter de ne pas l'utiliser ici à Sorel Tracy. Avantage numérique pour Sorel. Les enjeux gagnés par les 3L. Pépin qui est ennuyé par Archambault. Toutefois, en bataille à 4 dans le coin. C'est Meilleur qui sort avec le disque et qui dégage jusqu'à l'autre bout. Jusqu'au gardien Dugas qui laisse à Dumas. Dumas dans sa zone face à Carrier. Carrier qui est le général pour l'attaque à 5. Dans sa charpension, on est installé. Carrier s'avance. Tout à l'enclave, tire l'arrêt avec le bloqueur. Carrier encore une fois qui prend dans la lancée, l'arrêt de Dessel. Et là, Pépin qui dégage jusqu'à l'autre bout. 1 minute 24 maintenant, l'avantage numérique du Mans dans sa zone. Matine qui passe maintenant vers Carrier qui lance dans le territoire des 3L. Premier arrivé, c'est Randazzo. Le Charpentier est à sa poursuite. Récupère le disque, passe à Rose. Et là, on s'installe dans le territoire des 3L. Charpentier revient vers le cercle des mises au jeu. Carrier à la pointe. Dumas revient vers la pointe. Vers Carrier. Vers Rose. Une passe à Charpentier. Vers l'arrêt de Dessel. L'arrêt de Guillaume Dessel. La passe qui avait passé la boîte et un autre arrêt de Dessel qui conserve. Et Guillaume Dessel qui est spectaculaire. Déplacement de droite à gauche. Sort la grosse jambière pour frustrer l'attaquant des Éperviers qui est en mesure, lui, de s'isoler à la gauche de Dessel. Tout un arrêt spectaculaire, acrobatique du jeune gardien de but des Noirs. Ouais. Pour nous dire à peu près le déplacement, là, c'est que on était vraiment à gauche et à droite. Dans les cercles des mises au jeu. Les cercles des mises au jeu. Et la rondelle qui a traversé la boîte complètement bord. Alors c'est tout un déplacement de la part de Dessel, avec un point rapide. Et bon là, tente un dégagement et c'est arrêté partiellement par Carrier. Mais heureusement pour les 3L, la rondelle qui va poursuivre son chemin, donc ça devient un dégagement. Mais on s'installe rapidement là, du côté de Sorel Tracy. Carrier lance dans le territoire, derrière le but, c'est l'éveillé. On est dans le territoire des 3L. Deschaine, un tir qui était même peut-être une passe vers Roy, mais ça rate la cible et la rondelle qui a glissé jusqu'en zone neutre. Roy en zone adverse. Roy vers Deschaine. Deschaine dans le territoire des 3L, c'est Dumas à la pointe. Vers Deschaine. C'est l'éveillé celui-là. Dumas à la pointe. L'éveillé tire, l'arrêt du gardien. Je pense qu'il a bloqué, hein, Kevin? Oui. C'est qu'il est bloqué par Guillaume Dessel. On tente un dégagement. On est encore dans le territoire des 3L, on joue 5 contre 5. L'éveillé à la pointe à Dumas. Dumas, des poignets. L'arrêt de Chabot, la rondelle qui vole chez les spectateurs. Et ça fait du bien. Exactement, parce que même si la pénalité venait de prendre fin, le momentum était du côté des Éperviers. On est en mesure justement de continuer l'attaque. Et heureusement que Jean-Philippe Chabot veillait au grain, a bloqué le lancer, la rondelle qui a poursuivi son chemin dans les gradins. Pendant ce temps-là, c'est Randazzo, lui, qui rentrait au vestiaire. Est-ce que c'est un grand dérapement ou encore une petite blessure? Oui, ben écoute, si on fait le lien, il est parti avec le préposé à l'équipement et le thérapeute est toujours sur le banc. Oui, oui, oui. Pas bon indice. Vu comme ça, ben c'est un indice. C'est encourageant. Ouais. Mise au jeu qui est dans le territoire des 3L. C'est Villemaire qui l'a gagné cette mise au jeu. Il était venu remplacer Deschâtelet qui avait été chassé de cette mise au jeu. Rondel qui est dans le territoire des 3L. L'arrêt du gardien Dessel. Souvent lancé faible toutefois. Rose maintenant. Applique les freins. Tente de contourner le filet, de revenir devant. Il est arrêté par le meilleur. Et ça permet la sortie de zone de Villemaire. Villemaire lance dans le territoire adverse. C'est devenu un lancé bondissant vers le gardien. Qui a fait l'arrêt. Deschâtelet dans le coin territoire de Sorel. À la pointe vers Meilleur. Meilleur laisse maintenant, lance derrière dans le coin plutôt. C'est Archambault qui tente de récupérer. Et là, la rondelle finalement qui sort du territoire de Sorel. 10 minutes 30 à faire en deuxième période. 1-0 Sorel. Deschâtelet qui s'amène. Petite feinte. De l'autre côté, vers Archambault dans le territoire de Sorel, mais ça manquait un peu de précision. Deschâtelet qui avait perdu pied. Là. Roy maintenant. Roy en l'homme. En zone centrale. C'est Trudel qui se contente de remettre
lui aussi en zone neutre. Gagné relance chez les 3L. Gessel vers Trudel. Vers Davon dans le territoire des 3L. Revient sur ses pas. Derrière le filet. Côté maintenant. Côté par la rampe du revers. Ça a été raté par le défenseur. Ce ne sera pas un dégagement refusé. Là. Tourigny à la poursuite du disque. Mais c'est une sortie de zone, belle sortie de zone. Avec une passe à Roy. Roy qui s'amène territoire des 3L. Du revers. Ça devient un lanceau au but. Gessel fait des dans le coin. Dans l'enclave maintenant, on va tenter une passe, mais il n'y avait personne sinon Swan. Là, c'est Côté qui est arrêté. Il faudra faire attention, là. Il y a Doury qui s'amène dans le coin. Vers Bordard, un tir, ça dévié. Ça rate la cible. Retour, il y a Doury qui tente de contourner le filet. Ça rate encore une fois. Dumas tente de lancer. Regardez dans l'enclave. Roy qui rate une chance en or. Oui, il y avait le... Le filet pratiquement désert, du moins le côté gauche du filet, la partie supérieure va tenter justement de lancer vers cette partie. On va arrêter la cible de très peu. Et là, il y a début de bousculade. Côté qui lance en termes de centrale à Trudel, on l'a vu là. Alors, c'est le joueur ciblé aussi, Kevin, t'en parlais tantôt. Et Louis, sur la dernière séquence. Marc-André Tourigny qui a raté son dégagement en l'autre, ça a permis justement aux Éperviers de demeurer en territoire des Éperviers, des 3L, et de bénéficier de bonnes chances à marquer. Bon, il y aura des pénalités double mineure. Au départ, on a peut-être cru qu'elle avance seulement ou en tout cas deux minutes de plus à droite, mais finalement, on égalise le tout. Exactement. Cette fois-ci, on égalise. Ouais. On va jouer à 4 contre 4. Et même le statisticien ici des Royals qui mentionne du côté des Éperviers, Francis Trudel, jusqu'à maintenant, c'est la cible. On tente de le déconcentrer, de le frapper. On sait qu'il est vulnérable à raison de sa blessure. Et puis c'est le cas là, depuis le début de cette période et même depuis le début du match. Ouais. Alors, Chabot est là avec Danny Massé. Ward et Pépin chez les défenseurs. Rodel qui est dans le territoire des 3L, là, c'est Massé qui remet en zone centrale vers Chabot. Chabot lance dans le territoire adverse. Carrier, pas Carrier, mais Rioux tente une passe. Mauvaise passe, c'est Pépin là, qui va pouvoir appuyer l'attaque. Passe à Massé. Mauvaise passe toutefois d'Annie Massé. Et ça permet là, peut-être un 2 contre 1. Rose et Carrier. Rose tire, ça touche le bâton noir. Ça va dans le filet pour Delta. Bon jeu de Ward. Bon jeu également de Simon Dany Pépin qui lui. Et revenir en repli défensif à pleine vitesse, a bloqué du même coup l'option de passe. Et Rose qui a été obligé de prendre un lancer. Et c'est un lancer qui a terminé dans le filet protecteur. Donc bon jeu de Ward et bon jeu également de Simon Dany Pépin. Alors, ça crée une mise au jeu dans le territoire des 3L, mais il faut admettre que c'est bien peu payé pour avoir empêché cette chance de marquer. Là, c'est Robichaud dans la reprise, un tir, ça touche au bâton de l'échappelé, c'est arrêté par Laflamme. Contre-attaque maintenant, Laflamme, on sait, il est rapide. Zone adverse, là, c'est l'échappelé, vers Meilleur. Meilleur qui appuie l'attaque, il a été frappé par Dumas, je crois, celui-là, on est là de la rampe. Ici, on perd un peu les joueurs, là. Et il y a Couture qui sort avec la rondelle. Couture, face à Robichaud, on est à 2 contre 2. Robichaud, Couture qui se tenait à marquer, quel arrêt d'essai avec la jambière. Encore une fois, Guillaume Dessel qui se dresse tel une muraille, déplacement rapide et frustre l'attaquant des Éperviers. Là, c'est Meilleur dans sa zone. Meilleur prend son temps, face à Deschâtelet en zone centrale. Ça manquait de précision et mauvaise réception de passe de Deschâtelet. Rondelle qui... Revient maintenant à Rose qui s'avance, contourne le filet. Rose dans l'enclave vers Dumas, il a raté. Voilà Deschâtelet qui cause un revirement. Rose tire l'arrêt du gardien d'Essel par le retour. Il a une chance que Guillaume Dessel est là parce que ses coups qui viennent le laissent tomber. Revirement par-dessus revirement. Dessel qui est vraiment spectaculaire depuis le début de la deuxième période. Et là, on va avoir besoin de l'aide de ses coéquipiers sur la dernière séquence. On a eu quelques occasions du côté des 3L de dévier ou de sortir du territoire. Ça n'a pas été le cas de remis la rondelle, notamment à Mathieu Dumas qui, lui, c'est un cadeau inespéré, tellement qu'il ne savait pas quoi faire avec la rondelle. Et ça permet aux Éperviers d'avoir quelques bonnes chances de marquer. Ouais, nous, on va en profiter pour faire une pause. 1-0, Sorel qui mène. Vous écoutez le hockey des 3L sur les ondes du groupe Radio Simard.
Faire appel à Conteneurs KRT, une entreprise familiale qui se démarque depuis 30 ans, c'est rassurant. Fondée en 1985 par Denis Ouellet, Conteneurs KRT, c'est non seulement pour les entrepreneurs, mais aussi pour le résidentiel. Projet de rénovation, de démolition ou de grand ménage, besoin de louer un petit conteneur, 862-0309. Conteneurs KRT, fier partenaire du match en rose des 3L, vous souhaite de bonnes séries éliminatoires. Retour au Colisée Cardin, le jeu qui vient tout juste de reprendre. Deschênes récupère le rondelle libre, mais il a été arrêté, l'éveillé, dans le territoire des 3L. L'éveillé, laisse à Duchamp, à Deschênes, à l'éveillé, belle passe. Rio tire, quel arrêt, retour, rondelle libre. Encore une fois, Deschênes qui fait des miracles. Et là, la rondelle qui revient à Schwann. C'est incroyable, oui, Guillaume Dessel, encore une fois sur la dernière séquence. Le terme spectaculaire n'est pas assez fort pour décrire sa performance ce soir. Pépère sorti de zone vers Schwann. Schwann, l'on passe à Ward. Ward s'amène. Des poignets de tir classiques à côté de la mitaine. Par-dessus. But. Trudel maintenant. Vers Randazzo. On joue à 5 contre 5. Tourigny prend son temps. Il est en zone centrale. C'est bouscule dans le territoire des éperviers. C'est Schwann qui est là. Schwann et Deschênes. Les deux qui seront chassés. Bon, pour Rudess. Pendant que Ward, sur la dernière séquence, a probablement eu la meilleure chance de marquer des points en deuxième période. L'équipe qui est dominée en deuxième période, oui, 13 lancés pour les éperviers contre seulement 5 pour les 3L. Et sur les 13 lancés, là, il y a plusieurs bonnes chances de marquer. Et en contrepartie, je te dirais qu'il n'y a pas eu de très bonnes chances de marquer du côté des 3L. Je me souviens pas d'aucune. Je pense que la meilleure, c'est le lancer de Ward. À peu près 12 pieds par-dessus le but. Mais c'est après quand même pratiquement seul. Mais il faut vraiment forcer pour trouver des chances de marquer. Ouais. 7-0-4 à faire en deuxième période. 1-0, Sorel qui mène et qui domine en deuxième. Zone centrale mise au jeu là, qui va aller dans le territoire des 3L. Premier arrivé, c'est Couture. Couture tente de passe vers Roy, il est devant Trudel. Couture s'amène, hein, tire à l'arrêt du gardien. Encore une fois, Dessel fait un bel arrêt. Couture qui était seul, encore une fois, Dessel, bel arrêt avec son épaule. Là, c'est Deschâtelet tente de passe du revers, mais Archambault l'a devancé à sa gauche. Et il y a un jeu à la ligne bleue de Sorel. Je regarde la réaction, lui, de l'entraîneur Alain Gantin sur le banc de l'équipe. Il semble vraiment insatisfait de la performance des siens. Je comprends pas pourquoi on n'essaie pas d'envoyer Samuel Lévesque à l'occasion pour changer la dynamique de ce match-là. Hier, qui a été la bougie d'allumage chez Samuel Lévesque? Alors, je vous rappelle qu'on joue à 4 contre 4, c'est Pépin qui s'amène dans le territoire de Sorel. Tente de contourner Dumont. Il y a eu un bon coup de bâton là-dessus, il n'y aura pas de pénalité. Dumont tente une passe du revers vers Charpentier dans sa zone, c'est réussi. Alors, mauvaise passe de Charpentier, Villemain s'avance. Tire, l'arrêt du gardien, encore une fois, il était bien positionné, il n'y aura pas de retour. Oui, et Dugas, une performance à l'opposé de ce qu'on a vu hier à Rivière-du-Loup. Je pense qu'on voit la version Dugas qui était de fils lors du 7e match à Jean-Pierre. Ouais. Pas nécessairement très occupé, mais chaque fois bien positionné. Et comme je l'ai mentionné en première période, beaucoup de lancers qui terminent dans le plafond du gardien de but. Et ça veut dire une chose, c'est qu'il est bien positionné ou encore, c'est peut-être parce que les joueurs des droits manquent un peu de précision. Raymond et Damour sont sur la glace. Toujours à 4 contre 4, c'est gagné par Raymond et la rondelle qui va quitter le territoire de Sorel Tracy. Raymond laisse pour Damour et le récupère, c'est Raymond. Le vert Damour au territoire de Sorel. Mais ben, tu sais, passe du revers, c'est envoyé dans le coin par le gardien et dégagé par Roy. Raymond laisse à Damour. Damour une petite feinte. Raymond s'en va dans le territoire de Sorel. Un tir, ça a été bloqué par le gardien. Je ne suis pas certain que ça aurait été sur le filet. Non, je ne crois pas que ce soit un tir avec ses mains. Mais évidemment, pour le gardien, on prend aucune chance. Hein. Il y a coup de sifflet. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé exactement. Est-ce que ça se passe avec la main? Ouais. On va reprendre en territoire neutre. 53 secondes à 4 contre 4. Il reste à jouer. Mais 5 minutes 57 à la deuxième période. 1-0, Sorel qui mène. Oui, et le match, Louis, qui se déroule à vive allure jusqu'à maintenant. Oui, il y a plusieurs arrêts de jeu, mais très peu d'escarmouches. Les deux équipes qui patinent.
très peu de vue également. Un seul dans le match, il est l'œuvre, je le rappelle, de Vincent Couture en première période. D'ailleurs, en zone centrale, passe à Chabot, la rondelle est bondissante. Rose qui récupère ça, mais en vitesse, un tir, l'arrêt du gardien. C'est un excellent tir. Robichaud, un autre lancé et un autre arrêt avec la mitaine. Et t'as vu sur la dernière séquence, Chabot qui joue mal le banc. Il part mesure de capturer pour vous émerveiller d'entrer dans le territoire des Étoiles aisément, d'effectuer deux bons lancés. Et encore une fois, Guillaume Dessel brillant devant son filet. Il garde son équipe dans le match, là, c'est ce qu'on peut dire. Même après le premier lancé, Francis Meilleur qui dégage, mais remet la rondelle directement sur le bâton d'un joueur des Éperviers. Deschâtelets qui gagne la mise au jour, on est dans le territoire des Troyes, sortie de zone de Pépin. Pépin là, qui accélère jusqu'en zone centrale. Passe à Deschâtelets. Deschâtelets sur l'adresse. Vers Archambault, il est tombé de lui-même sur la séquence. Et, ça fait que le jeu avorte. Là, c'est Robichaud, tire de loin l'arrêt avec la mitaine de Sel, même si le disque était beaucoup trop haut. Comme je disais tantôt, il n'y a pas de chance à prendre. Mais on mentionne sur les 16 lancés jusqu'à maintenant dans cette période pour les Éperviers. Plusieurs enclaves tout près de Guillaume Dessel. Les Éperviers qui sont menaçants. Et jusqu'à maintenant, cependant, c'est une bonne nouvelle pour les Poirels. C'est seulement 1-0. Encore 21 secondes à 4 contre 4. Et tu remarqueras, Kevin, je me demande si j'ai vu Francis Trudel assis une fois au banc. Il chasse la douleur debout. Également pour y aller avec les encouragements, mais c'est vrai que Francis Trudel présentement est pas à 100%. Absolument. Là, c'est Villemaire dans sa zone, fait dévier jusqu'en zone centrale. Couture récupère, ça va dans le territoire des 3L, mais il a perdu le disque. Villemaire, toujours en zone centrale, à un d'Azo. Là, Villemaire récupère, ça même, peut-être un 2 contre 2. Tente le tourniquet devant le défenseur Rioux, ça a raté. Rioux qui fait une passe à Dumont, on joue maintenant 5 contre 5, 4 minutes 56 à faire. En deuxième période, 1-0 les Troyens qui tirent dans l'arrière. Là, il y avait 6 joueurs sur la patinoire, mais les deux officiels et les deux juges de ligue qui ont manqué le jeu. Là, c'est Archambault qui s'amène dans le territoire de Sorel. Mais tir, ça a été bloqué par Rioux, ça lui a fait mal. Contre-attaque maintenant, Roy avec Bourque. Tente un tir, ça a été bloqué. Il voulait le retour pour son coéquipier. Ça n'a pas fonctionné. Archambault qui lance dans le territoire de Sorel. Dugas dégage. Ça va à la pointe à côté qui tire. Dabon qui a tenté de faire des liens, mais c'est allé dans le coin. La sortie de zone de Bourque. Bourque lance dans le territoire des 3L. Dessel derrière son but. Laisse à Trudel. Trudel prend son temps. Observe la situation. L'homme passe à Swan. Ça dévie, ça va bien à Damour qui lui donne un dégagement, ça ne sera pas refusé parce que Tourigny a fait un bel effort. En zone centrale, c'est Côté maintenant. Vers Pépin, par la bande, on va aller jusqu'au défenseur Poirier qui n'a pas joué beaucoup ce soir. Deschaine maintenant, dans le Charpentier, je suis content de remettre là, dans le territoire des 3L. Pépin, vers Meilleur. Meilleur excellent en zone centrale, maintenant en zone adverse. Meilleur continue sa route. Il est rendu dans le coin, territoire de Sorel. Lancé vers Pépin. Pépin, un tir dévié. Retour. Oh! Et qui rate une chance du revers devant le filet. Pépin maintenant, un tir. Ça a été bloqué à défensive par Gagné. Et là, oui, la rondelle qui avait quitté le territoire, ça va revenir maintenant en zone centrale. Mais quelle chance manquée, lui, par Alex Sebon, qui était seul du revers, en pas mesure d'enfiler l'aiguille. Et là, on fait le ménage après le coup de sifflet devant le filet de Sorel. Il y a deux joueurs qui ont été rudoyés. Et là, Chabot qui tente de faire trébucher Poirier, ça a fonctionné. Il y a Raymond qui est sur place aussi. Il vient la défense. De Danny Massé là-dessus, Alex Sémon. On va voir maintenant comment l'arbitre va démêler tout ça. Nous, on va en profiter pour faire une pause. 1-0 au Sorel qui mène en deuxième période. Vous écoutez le hockey des 3L sur les ondes du groupe Radio Simard. Votre véhicule est accidenté. Vous avez eu un accrochage. Allez droit au but. Faites la meilleure passe. Débosselage, peinture, redressement de châssis, un arrêt s'impose.
Jouez gagnant avec Garage Bertrand Gagnon. Pour de carrosserie Procolor. 137 chemin des Raymond, rivière du Loup. Estimation gratuite. Réclamation d'assurance. Véhicule de courtoisie. Sommes de retour au Colisée Carter à Sorel-Tracy. Alors, les capitaines qui tentent d'obtenir des informations, des officiels. Oui, pour l'instant, oui, j'imagine qu'on va tenter d'égaliser. Je ne vois pas de quelle façon l'une ou l'autre des équipes pourrait bénéficier d'un avantage numérique sur la dernière séquence. Et oui, il faut donner un peu de crédit ce soir également à la brigade défensive des Éperviers qui fait tout un travail pour limiter les chances de marquer pour les 3L. C'est pas pour rien que Richard Martial avait qualifié cette brigade défensive de probablement la meilleure dans la Ligue américaine de hockey. C'est toujours sujet à discussion. Alors pendant ce temps-là, sur le banc, David Lacroix, l'homme fort des Éperviers qui marque un peu, Maxime Villemaire notamment. Alors, Alain Gagneux qui s'en mêle. On sait que Gagneux aime ça jaser. Oui. Mon ami David Lacroix peut-être utiliser, lui, la même recette que Dave Hamel, c'est-à-dire un Red Bull et deux petits jus d'affaires, parce qu'il semble très énergique présentement sur le banc des Éperviers. Oui. Lacroix qui était pas en uniforme hier. Non. C'était la séance d'échauffement. Ouais. David Lacroix qui est le seul joueur des Éperviers à avoir déjà endossé l'uniforme des Trois. C'est le seul. Ouais, c'est vrai, c'est le seul. Hein? Ouais. Il n'a pas été là longtemps, mais quand même, il avait été échangé contre Dave Hamel. C'est lui qui avait amené Dave Hamel à Rivière-du-Loup. Ouais. Parce que c'est un de ses amis. Et par la suite, bon, il y avait eu quelques transactions. Et au bout du compte, on a envoyé David Lacroix à Laval pour aller chercher de nouveau Dave Hamel. Là-dessus, parce que Dave Hamel avait été échangé une première fois à Laval et par la suite on l'avait acquis de nouveau à raison du conflit entre Lacroix et Éric Andonneau. Oui. Donc, c'est l'histoire de David Lacroix, je veux dire. Ouais, ben écoute, là-dessus, je suis convaincu que c'est plus en mesure que moi de te soutenir de tout ça. Je te fais confiance à 100%. Allez, nous, on va profiter de faire une autre pause puisque le jeu tarde à reprendre. Vous écoutez le hockey des 3L sur les ondes du groupe Radio Simard. Avec les immeubles GLMC, c'est marché conclu. Nous sommes la plus importante agence immobilière dans la région et nos agents s'activent 7 jours sur 7 pour vous permettre d'atteindre votre but. Pour une transaction résidentielle ou commerciale, référez-vous à GLMC. Efficacité, travail d'équipe et éthique de travail, des termes qui définissent aussi bien vos conseillers GLMC que les 3L. Les immeubles GLMC souhaitent la meilleure des chances aux 3L dans la grande finale de la Ligue nord-américaine de hockey. GLMC.ca. Sommes de retour au Colisée Cardin. 1-0. Sorel qui mène. Il reste maintenant 3 minutes 3 à faire en deuxième période. Jusqu'à maintenant, Guillaume Dessel, la grande vedette chez les 3L dans cette rencontre. Et semble-t-il qu'on va punir. On va donner 2 minutes supplémentaires à Jean-Philippe Chabot. Et oui, les pénalités, en gros, Danny Mancé, écope de 2 minutes pour Vinesse, tout comme pour les Éperviers, le numéro 17, Maxime Robichaud, le numéro 8, Pierre Deschaines, pour les 3L, également le numéro 14, qui écope Alex Raymond, qui écope de 2 minutes pour Vinesse, et Jean-Philippe Chabot, lui, qui écope de 2 minutes supplémentaires, pour obstruction sur le gardien de but. Ah. Donc c'est la raison pour laquelle les Éperviers vont évoluer en avantage numérique. Oui, jeu qui a repris maintenant. On est dans le territoire des 3L, mais là, Pépin qui y va d'une montée. Pépin a des avantages numériques, il est rendu profondément dans le territoire adverse. Et perd le disque, il revient là, maintenant vers sa zone. Beau jeu des Châtelets, mais Carrier qui s'amène dans le territoire des 3L. Carrier met les freins dans le coin. Dégagement de Pépin, partiellement arrêté par Rose. La rondelle qui va aller jusqu'à Dumas, dans sa zone vers Carrière, zone centrale. 1 minute 20 à l'avantage numérique des Éperviers. On tente de s'installer. Rondelle libre derrière le filet, c'est Meilleur, tente un dégagement. C'est bloqué par Dumas. Dumas lance dans le coin, droit dans la première arrivée à Rose.
On n'est toujours pas installé, mais là, ça semble que... Voilà, ça semble fait. Carrier vers le Charpentier. Dumas qui est à la pointe, on est dans le territoire des Trois-Rennes. Charpentier passe vers Carrier. Carrier, un tir qui a raté la cible à la gauche de Dessel. Dumas maintenant passe vers Charpentier. Ça avance, territoire des Trois-Rennes, dans le cadre. Tire, là, puis dans le tir avec la mitaine. Quel arrêt de Guillaume Dessel. Dumas bien frustré. Le joueur des Éperviers, mais là, là c'est pratiquement impossible cet arrêt-là. Le grand arrêt, le grand écart, et Guillaume Dessel, encore une fois, qui vient frustrer les Éperviers de sa retraite. Wow! 46 secondes à l'avantage numérique des Éperviers. Évidemment, on revient dans le territoire des Trois-L. Mais au jeu gagné par Sorel, Carrier est à la pointe des poignets, ça touche un bâton. Ward qui tente un dégagement, ça devient une passe pour Schwann, qui complète finalement une sortie de zone. La rondelle qui est maudissante, Ward doit revenir jusque derrière son filet, sans enlever le disque. On voit maintenant la pointe à Dumas. Dumas vers Deschaines, ou plutôt Roy, dans le cadre, le but. Stéphane Roy. Et là, Samuel Lévesque qui est sur la patinoire. Alors, on tente de créer quelque chose. Il y en a qui diront que c'est tard, un peu tard. C'est Ryu, celui-là, lance dans le territoire des Trois-L. Derrière le filet, c'est Couture. Passe de Trudel. Le Trudel fait trébucher Couture. Tourigny vers Lévesque. Quand on tourne le défenseur du revers dans l'enclave vers Tourigny, ça touche un bâton et ça dévie. Trudel maintenant, la rondelle est bondissante. On relance dans le territoire de Sorel-Tracy. Rose, zone centrale. Et là, c'est Couture devant côté. Il y aura pénalité à côté pour possiblement obstruction. Deux minutes pour obstruction. Et là, il y a une bagarre qui éclate également. Ouais, c'est Lamour et Poirier. Là, disons que Poirier a pas eu de rôle dessus là-dessus. Déjà, Poirier est sur la glace. Lamour qui tente par tous les moyens de réveiller ses coéquipiers également. C'est pas une mauvaise chose. C'est Lamour qui lance quelques invitations au banc de Sorel. Mais ça prend une étincelle présentement du côté des 3-1 parce qu'on est complètement dominé, du moins en deuxième période, par les Éperviers. J'ai dû tenter la grosse performance de Dessel, le pointage qui pourrait être beaucoup plus élevé en faveur des Éperviers. Pendant ce temps-là, la Croix qui continue d'encourager ses joueurs et de parler aux joueurs des 3-1 qui se rendent jusqu'au banc des pénalités. Avec 50 secondes à faire en deuxième période, les Éperviers qui auront l'occasion de jouer de nouveau en avantage numérique. Alors on va tenter de démêler tout ça. Assurément, il devrait avoir un 2 minutes supplémentaires au 3L parce que au début, ça commençait avec un 2 minutes à côté. Et par la suite, Lamour et Poirier qui ont jeté les gants. Les deux qui seront chassés minimalement pour 5 minutes. C'est pas une mauvaise pénalité de Marc-Olivier Lamour cependant. Avoir jeté les gants comme ça. Ouais. Il y a quand même le banc des la porte du banc des pénalités de Sorel-Tracy qui est ouverte. Et là, si on envoie côté au vestiaire, possiblement qu'on va égaliser les pénalités. Oui, mais est-ce qu'on va lui donner un 10 minutes de mauvaise conduite également en raison de sa réaction après? Peut-être.
Mais les deux portes sont toujours ouvertes. Il n'y a rien d'inscrit au tableau jusqu'à maintenant. Tu sais où à quel point dans la Ligue nord-américaine, c'est long, c'est interminable. Lorsque les officiels se réunissent comme ça pour parler des pénalités, et là après, bon, on va aller donner des explications aux deux entraîneurs. Ça finit plus de finir. Alors nous, on va en profiter pour faire une pause 1-0. Ce Rennes Dressing qui mène, on est en fin de... C'est 2-0, pardon, puisque les Éperviers viennent tout juste de doubler leur avance. 2-0, on est en fin de deuxième période. J'ai écouté le hockey des 3L sur les ondes du groupe Radio Simard. Le retour au Colisée Cardin. Je vous rappelle la marche 2-0 pour Sorel Tracy. Avec 50 secondes à jouer en deuxième période. Et on confirme là, finalement au tableau indicateur que Côté, Frédéric Côté, aura un 2 minutes supplémentaires. Le fameux 2 minutes qui était à la base de l'escarmouche. 2 minutes pour obstruction, ouais. Obstruction parce que Côté a vu, c'était Couture qui s'amenait devant lui. Lui a donné une première mise en échec, ça c'était légal. Mais la rondelle était derrière Côté. Et là, par la suite, Couture a continué son chemin. Et là, Côté, qui n'avait pas le choix, a dû vraiment faire obstruction. Et je pense qu'il y avait vraiment une pénalité là-dessus. Ouais. Et Louis, pendant que tu parlais, il y a des gens dans les gradins qui lancent des billes sur la patinoire. Les billes qui sont lancées sur la patinoire. C'est évidemment très dangereux pour les joueurs. Ben oui. Dès la reprise, le Pépin qui dégage. Avantage numérique pour Sorel Tracy. Évidemment, ça devra durer 2 minutes au total s'il n'y a pas de but, mais il ne reste que 35 secondes maintenant à la période. Roy dans le territoire des 3L. Roy passe dans le coin à Charpentier, pardon. Ben Roy et Romain Lapointe. On s'installe là. Carrier à Charpentier dans le coin. Charpentier, 18 secondes à la période. Carrier des poignets, tire, l'arrêt du gardien. La rondelle qui par la suite est allée sur l'extérieur du filet ou... Frôler le poteau. Oui, frôler le poteau. Alors c'est là, il y a un dégagement et là, peut-être le temps d'une dernière attaque. Charpentier s'amène. Dumas tire, l'arrêt du gardien avec 0,3 secondes à faire. Oui, et sur la dernière séquence, Dumas qui est en mesure de prendre un bon lancer. Heureusement, Guillaume Dessel, qui veillait au grain, est en mesure de réaliser l'arrêt et de faire en sorte que le pointage demeure à 2-0 en faveur des Éperviers. Alors là, c'est l'entraîneur, oui, lors du deuxième entrain, qui va utiliser Guillaume Dessel pour motiver ses troupes. Parce qu'il y en a un qui joue très bien jusqu'à maintenant, c'est bien le gardien de but des 3L. C'est pratiquement une formalité là, que cette mise au jeu. Et voilà, c'est gagné par Chabot. Et on entend la sirène qui indique la fin de cette deuxième période. Période qui a été complètement dominée par Sorel Tracy. Et l'UTT du travail de Guillaume Dessel. Mais disons que ce sera encore plus que 2-0 au tableau. Mais quand même, Kevin, sommaire de cette deuxième période. Un seul but marqué, c'est en avantage numérique en toute fin de période. Le but de Stéphane...